Nous sommes à Rapana, dans le Sunni Kapan, in the Sunni National Day of Kapan, la journée de Kapan, juste collée à la frontière avec l'Azerbaïdjan, où il y a un très grand risque de tension militaire. Depuis Kapan pour la journée nationale de Kapan, Léo Nicolian. Voilà la délégation officielle du gouvernement arménien avec M. Robert Roukassian, le Marsbet, le préfet de région. Thank you.
Petit aéroport de campagne, nous sommes dans le Sunik à Kapan. Et comme vous le voyez, la piste d'atterrissage, on est à l'entrée de la ville. Les postes militaires de l'Azerbaïdjan ne sont qu'à 400 mètres. Hier, lors de la venue du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, des tirs ont été commis sur l'aéroport. Il a été obligé de rebrousser chemin pour repartir à Erevan après sa tournée, non pas en avion, mais en voiture. Aujourd'hui, à l'instant, vous voyez que cela n'a pas eu lieu. Dans l'avion était présent Araïk Aroutunian, le vice-premier ministre, qui était à Kapan, ici, dans le Sunik, pour le festival de la ville de Kapan annuel. Voilà, donc l'avion est parti. Il n'y a pas eu de tir, en tous les cas, pas aujourd'hui. Depuis Kapan, dans le Sunik, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Léo Nicolian.